ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما Il a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit quatre caractéristiques. Celui qui les possède sera un hypocrite réel. Et celui qui en possède une parmi elles aura un défaut, une caractéristique parmi les caractéristiques de l'hypocrisie. Jusqu'à qu'il la délaisse. Quand on lui donne un dépôt, il le trompe. Quand il parle, il ment. Quand il a un pacte, il le trahit. Et quand il combat quelqu'un, ou quand il est en dispute avec quelqu'un, il transgresse toutes les limites. Le hadith, il est rapporté par le Bukhari et le Muslim. Donc l'hypocrisie, c'est la base du mal. Et c'est le contraire du hadith qu'on a vu auparavant qui est la sincérité. Car l'hypocrisie, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est de faire paraître le contraire de la réalité. Et l'hypocrisie, elle est de deux catégories. L'hypocrisie majeure et l'hypocrisie mineure. Qui n'est rien de mineur dans la gravité. Mais quand on dit mineur, c'est en opposition à la majeure. Mais sinon, c'est grand. C'est pas petit, cher Allah. Vous le considérez léger, simple. Alors qu'auprès d'Allah, c'est énorme. Comme il a dit Anas, vous faites certains péchés pour vous qui sont plus fins qu'un cheveu. On les considérait au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi des grands péchés dangereux. Donc, la base de tout le mal, c'est l'hypocrisie. Car l'hypocrisie, c'est de montrer le contraire de la réalité. L'hypocrisie majeure, c'est de montrer la foi et de cacher la mécréance. Donc, tu le verras prier avec les croyants, jeûner avec eux, alors qu'ils ne croient en rien de tout ça. D'ailleurs, en islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné d'agir avec les gens selon ce qu'ils nous font paraître. Donc les hypocrites, la grande hypocrisie, même si auprès d'Allah c'est des koufars, nous dans ce bas monde, on agit avec eux comme des musulmans. On prie sur eux jusqu'à tant qu'il n'y a pas la preuve de leur mécréance claire, alors on les traite comme des musulmans. Leur compte incombe à Allah. C'est pour ça au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a pas combattus, il vivait au milieu des musulmans. Sauf ceux à qui Allah lui a révélé de ne pas prier sur la tombe d'un tel, un tel. Mais sinon, si c'était pas par la révélation, personne ne sait. Même s'ils s'en doutent. Allah Ta'ala dit dans le sens des versets. Vous les reconnaîtrez dans la manière dont leur discours est tourné. C'est-à-dire que tu reconnais les hypocrites comment ils parlent. Mais tu peux pas dire, clairement, lui c'est un hypocrite nifaq al-akbar. Parce que c'est dans le cœur. Tant que tu n'as pas une preuve de sa mécréance majeure, tu ne peux pas le juger mécréant. Ordre. Donc, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains ont dit, pourquoi tu ne les combats pas? Pourquoi tu ne les tues pas au prophète d'Allah? Pourtant, ils étaient connus du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, Allah lui a révélé. Il a dit, je ne veux pas que les gens disent, Mohammed tue ses compagnons. Donc, le fait de laisser les hypocrites au milieu des musulmans, c'était un méfait. Mais le fait de les tuer, c'était un méfait plus grand. Donc, il a préféré, sallallahu alayhi wa sallam, laisser un méfait pour ne pas qu'un méfait plus grand que cela touche les musulmans, ou bien les gens. C'est-à-dire, les gens, s'ils entendent que certains qui habitent avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui montrent la foi, ils se font tuer, ils vont dire, ah bah non, on n'y va pas, après nous aussi, on va se faire tuer. Donc ça peut freiner les gens d'accepter l'islam. Ou alors, ça peut faire croire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne respecte pas ses engagements, ou il trahit ses administrés. Donc c'est pas une chose qui est acceptable de laisser même faire paraître ce doute. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a préféré les laisser, malgré qu'ils faisaient beaucoup de mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'islam. Jusqu'au point ils ont fait du mal à son honneur, ils ont parlé sur sa femme, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ne sont pas arrêtés, il n'y a rien qui les a arrêtés. Ils ont parlé sur les croyants, ils ont parlé sur le prophète, et ils ont dit ils ont un gros ventre, ils servent à rien, c'est des fainéants dans la bataille de Tabouk. Ils se sont moqués d'eux. Parmi eux il y avait des hypocrites et d'autres avec la foi faible et donc qui sont devenus mécréants. Non. Pour l'hypocrisie majeure, Allah Ta'ala a décrit leur châtiment dans l'au-delà.
Et il a dit, dans le sens des versets, les hypocrites seront dans le degré le plus bas de l'enfer et tu ne trouveras personne pour les secourir. Ça, c'est la première catégorie. Ce hadith ne parle pas de cette catégorie de gens. Mais il parle de la deuxième catégorie de l'hypocrisie mineure qui est nifaq al-amali, l'hypocrisie dans les œuvres, qui n'est pas des moindres. Car les savants disent, c'est le couloir qui t'emmène à la mécréance. Très dangereux. Il parle de caractéristiques qui, normalement, ne devraient pas être chez un bon croyant. Par contre, il prouve que dans une même personne, il peut y avoir des caractéristiques de piété et des caractéristiques de perversité. Dans une même personne, il peut y avoir la foi et le nifaq et l'hypocrisie. Et ce sera pas l'hypocrisie majeure, bien sûr. Il peut pas y avoir la foi et l'hypocrisie majeure. Par exemple, il est musulman, mais il ment. Mais il ne tient pas ses engagements. Quand il a un pacte, il ne le respecte pas. Il le trahit. Et quand il se dispute, il dépasse toutes les limites. Mais c'est très dangereux. Car c'est les caractéristiques des grands hypocrites. C'est la manière dont ils sont. Ça n'incombe pas à un croyant d'être comme ça. Pour ça, le prophète Sarasim a dit, celui qui les réunit les quatre, c'est un pur hypocrite. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mécréant. Tant qu'il n'a pas fait un acte annulatif de l'islam, il restera musulman, pécheur, qui fait des grands péchés, mais qui reste musulman, qui n'est pas voué à rester éternellement en enfer, contrairement à la croyance des Khawarij. Comme les savants ont dit, c'est la pire secte de l'islam. Il n'y a pas une secte contre laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis autant en garde qu'eux. Il les a appelés les chiens de l'enfer. Il a dit, ils sortent de l'islam comme une flèche, elle traverse sa proie. Et encore d'autres hadiths. Il n'y a pas une secte qui a été décrite et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde autant que les Khawarij. Pour montrer vraiment la gravité et l'éloignement de cette secte. Ben, cette secte-là, il considère le musulman qui fait des grands péchés comme mécréant. Dans la même famille, dans la famille des Khawarij, il y a plusieurs sous-sectes ou des différences entre eux. Mais par contre, ils s'unissent dans un point commun. C'est qu'ils rendent mécréant pour un acte qui n'est pas considéré comme de la mécréance majeure. Et ils considèrent que certains actes qui ne sont pas prouvés être de la mécréance majeure, ni par le Coran, ni par la Sunna, ni par le consensus, alors eux, ils les considèrent comme de la mécréance majeure, contrairement au Coran et à la Sunna et au consensus. Alors certains d'entre eux considèrent tous les grands péchés, certains une partie des grands péchés, certains même sur certains grands péchés. Ils ont considéré, eux, seulement avec leur croyance erronée, que ce sont des actes de mécréance majeure. Et ils lèvent l'épée contre les dirigeants des musulmans. Ils sortent de l'obéissance, ils appellent à la révolte. Regardez. Donc, le mensonge, c'est la caractéristique la plus évidente et la plus apparente des hypocrites. Cela exprime la réalité de l'hypocrisie, qui est de faire paraître le contraire de la réalité. Et le mensonge, il a plusieurs catégories. Le mensonge sur Allah, sur le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, sur le livre d'Allah, sur la religion d'Allah, puis le mensonge sur les gens. Le pire, bien sûr, c'est le mensonge sur Allah. Allah tabarak wa ta'ala dit dans sourate As-Saff, verset 7. Dans le sens des versets. Qui est plus injuste que celui qui invente sur Allah un mensonge? Parler sur Allah sans science est un des plus graves péchés, car il est la cause de tout le mal. Donc ceux qui mentent sur Allah, subhanahu wa ta'ala, en disant ceci est halal, ceci est haram, sans preuve, en contredisant le Coran et la Sunna, ceux qui mentent sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en inventant des hadiths, des paroles ou des actes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ou n'a pas dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde ces gens. Celui qui ment sur moi sciemment, qu'il prépare sa place en enfer. Puis le mensonge sur la religion d'Allah, qui revient à mentir sur Allah et son messager en disant ça c'est halal, ça c'est haram, la religion elle dit ici, la religion elle dit ça, la religion elle ne dit pas ça, dans notre religion c'est comme ça, tout en disant le contraire de ce que la religion elle dit. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, il suffit à une personne pour être menteur de répéter tout ce qu'il entend. Dans l'islam, quelqu'un qui répète tout ce qu'il entend, c'est un menteur. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a taxé de menteur. Ce n'est pas moi. En islam,
On vérifie la véracité des informations. Il n'y a pas une religion, une législation qui protège la vie, l'honneur, le sang des gens comme l'islam. L'honneur, c'est très important en islam. On ne peut pas te permettre de parler sur l'honneur de quelqu'un comme ça. Tu transmets tout ce que tu entends, les oui dire, n'importe quelle chose que tu as trouvé, tu transmets. Donc premièrement, le musulman à la base, il n'espionne pas. Il ne va pas lever un voile pour regarder, enquêter. Mais il essaye de garder une bonne opinion générale de la personne qui montre un beau visage. Si malgré cela, une information lui parvient, alors cela dépend de la situation. Mais si vraiment il faut la garder, il vérifie sa véracité, la fiabilité de la personne qui lui transmet l'information. Autant dans sa religiosité que dans sa mémoire. Il y a des gens, il fait pas exprès de mentir, mais il raconte toujours les histoires de travers. Et de la manière dont il te le rapporte, tu le comprends d'une autre manière dont ce s'est passé. Il te dit, oui, il s'est passé ça. Tu dis, Allah Akbar. T'arrives quand tu vas voir la situation, c'est le contraire de ce qu'il t'a dit. Après, une fois que tu sais que l'information est juste, que la personne, elle l'a rapportée comme elle s'est passée, maintenant, c'est pas tout ce qui est connu qui doit être dit. Tu dois voir et chercher à savoir est-ce qu'il y a une maslaha, un intérêt à rapporter cette information. Un. Deux. À qui? Est-ce qu'elle doit être rapportée à tout le monde? Est-ce qu'elle doit être rapportée à certaines personnes? Si cette information, c'est une information privée qui n'est pas faite en public, alors il ne t'est pas permis de la dévoiler en public. Si tu as besoin de la rapporter à quelqu'un pour qu'il le corrige, conseille, alors c'est une personne qui a la capacité, qui a un pouvoir sur lui. Ou bien un juge, ou bien un père, ou bien un frère, quelqu'un qui a une influence, que ce soit filiale ou légale, sur cette personne pour pouvoir le changer. Sinon, même si c'est vrai, tu n'as pas le droit de le rapporter. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit la médisance. Et qu'est-ce que la médisance? C'est de rapporter une vérité, mais une chose qui déplairait à ton frère. Elle est vraie, mais ça lui déplairait que tu le dises. Que ce soit dans sa personne, dans son physique, dans ses paroles, dans n'importe quoi qui le concerne. Déjà, c'est haram. Sauf l'exception dont on a parlé, qui concerne le fait de le rapporter à une autorité, ou bien quand il s'agit de la science du hadith, ou quand il s'agit d'une personne qui veut se marier avec lui, ou bien faire du commerce avec lui, qui t'a demandé conseil, donc tu dois être sincère, lui dire la réalité sur lui, ou bien qu'il s'agit d'un défaut qu'il fait en public, une erreur publique. Dans ce cas-là, il t'est même parfois obligatoire de la corriger en public, si toi tu es en mesure de le faire, si tu es apte, si tu es une personne qui a cette compétence. Mais en dehors de ça, ça reste de la médisance. Donc, rapporter comme ça les informations, déjà en soi-même, c'est un mensonge. Rapporter tout ce qu'on entend. Et le mensonge, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, attention au mensonge, car le mensonge appelle à la perversité. Et la perversité mène au feu de l'enfer. Et la personne ne cesse de mentir et de chercher le mensonge jusqu'à ce qu'il soit inscrit auprès d'Allah comme un menteur. Et Allah Ta'ala dans le Coran, il dit que la malédiction d'Allah soit sur les menteurs. Imaginez-vous, ça montre que le mensonge, c'est un grand péché. Donc ceci est clairement contre la sincérité. Comment quelqu'un peut être sincère et menteur? Quelqu'un de courageux, il ne ment pas, parce qu'il est prêt à faire face à ses responsabilités. Celui qui ment, c'est un peureux. Et quelqu'un qui n'a pas de personnalité, il est faible. C'est pour ça, les Arabes, avant l'islam, ils ne mentaient pas. Car il peut pas dormir tranquille, se dire, je suis un peureux. Comment je suis un peureux? Je mens. Pour eux, c'était très grave de mentir. Quelqu'un, il ment, il le vire du village. Il le sort du village. Pour eux, c'est comme la peste. Exilé du village, parce qu'il a menti. Avant l'islam! Le mensonge, ils connaissent pas, c'est pas répandu dans leur société. Parce que c'est des gens courageux et généreux. Quelqu'un de courageux et généreux, il peut pas mentir, il ne ment pas. C'est pour ça, Ibn al-Qayyim rahimahullah et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, ils ont résumé quelques qualités essentielles qui sont la mère et la base de toutes les qualités. Parmi elles, ils ont cité le courage. C'est une qualité essentielle chez un homme ou chez une femme. C'est pas lié à un homme ou une femme, chez l'être humain. Sauf que ça se manifeste pas pareil chez une femme. La femme courageuse, c'est pas celle qui va sortir à combattre ou comme un homme. Non, son courage, il est manifesté dans d'autres choses. Dans ses devoirs religieux, dans ses devoirs vis-à-vis de ses enfants, de sa famille,
de son mari, de ses parents, dans ses devoirs de femme. Donc, la première caractéristique qui est la pire, c'est le mensonge. La deuxième, c'est quand on lui donne un dépôt, il le trahit dans un travail qui lui a été confié, dans un secret qui lui a été donné, dans de l'argent ou des droits que les gens ils ont envers lui qu'il n'a pas respecté. Ça, c'est une trahison dans le dépôt. Et ça, c'est une caractéristique des hypocrites. Allah nous ta'aïn aujourd'hui, Wallah, où on est, nous les musulmans, les qualités des musulmans. Après, on dit pourquoi Allah il nous aide pas, et qu'est-ce qui nous arrive, est-ce qu'on n'est pas croyant? Où elle est la réalité de notre foi? Où sont toutes ces qualités dont le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam parle, et ces défauts dont il met en garde? Comment? Parmi les défauts et les caractéristiques de l'hypocrite, quand il prend un pacte, il ne le respecte pas. Un contrat, un engagement, il ne le respecte pas. Que ce soit son engagement envers Allah, subhanahu wa ta'ala, ou bien que ce soit ses engagements vis-à-vis des créatures. Il ne met pas en pratique ses engagements. Il te donne un rendez-vous, il vient pas. Il te dit je viens à telle heure, il le fait pas. Il te dit tel jour, il donne pas. Il te dit je te donne ton argent tel jour, il le donne pas. Jusqu'à chaque fois qu'il te promet quelque chose, il le fait pas. Ou rarement. Ça aussi, ça revient justement au manque de courage. C'est que la personne, au lieu de te dire, Akhi, je pourrais pas le faire pour telle date. Il va te dire, Inch'Allah, telle date. Il sait très bien qu'il pourra pas le faire. Juste, il dit telle date. Comme ça, pour que tu le laisses tranquille. Parmi leurs défauts, quand il est en conflit avec quelqu'un, il transgresse toutes les limites. Je donne un exemple. Il est en désaccord avec son frère pour 5 euros. À la fin de l'histoire, le frère avec qui il est en désaccord sur 5 euros, il va dire que c'est un menteur, un voleur, un tricheur, qu'il est le pire homme du monde. Akhi, votre désaccord, c'est sur 5 euros. Parle de tes 5 euros, barakallahu fi. Comment il a pris tes 5 euros? Comment tu vas les récupérer? Commence pas à agrandir les choses, à dépasser, à transgresser, à mentir, à rajouter des choses sur les gens. Ou bien, quand il est en conflit avec quelqu'un, ça y est, il transgresse toutes les limites. C'est-à-dire, au lieu de récupérer réparation ou de repousser l'injustice, non. Il est dans la aqliya de l'jahiliya. C'est-à-dire, tu m'égratines, je tue toute ta famille, je brûle ton village. C'est ça l'islam. Si on vous fait un mal, rendez l'appareil. Mais si vous patientez, c'est meilleur. Combien de versets qui viennent dans cela? Celui qui transgresse vis-à-vis de vous, alors la récompense d'une transgression est un châtiment pareil. Mais celui qui pardonne et passe, ceci est meilleur auprès d'Allah. Donc voilà celui qui a les sifat nifaq al-amali. Il ne craint pas Allah dans le mal qu'il va le faire. Il y a des personnes comme ça par exemple, t'as pas fait attention à lui, tu l'as pas regardé en face. Non, lui, parce que juste tu l'as pas regardé en face, il peut t'insulter, te frapper, te voler, insulter ta famille. Ah, excuse-moi, je l'ai pas regardé en face. Si tu veux, rends-moi l'appareil, ne me regarde pas en face. C'est pas la peine de dépasser barakallahu fik. Non. Ceci est le contraire donc de cette sincérité.